vous avez pas vu. Vous voyez cette fille-là? Elle s'appelle Clarissa. Et moi, je vais vous raconter son histoire. Un jour, elle rejoignait ses amis en salle de biologie. Ah, salut les filles! Salut! Et voilà. Tu fais quoi? J'ai fait une potion avec le coiffe. Apparemment, si tu souffles dedans, elle devient bleue. Attends, je peux essayer. Oh, moi je veux goûter. Non, attends, non, prends pas. Non, faut pas boire. Mais... Hein? Pourquoi je vois toi en noir et blanc? Mais justement, c'est la potion. Attends, regarde, attends. C'est écrit... Mais... Si vous voulez retrouver le monde en couleur... C'est un noir et blanc. Réalisez votre rêve. C'est quoi ton rêve? Mais qu'est-ce que j'en sais, moi? Il lui fallait trouver un rêve à réaliser. Mais c'est ça, mon rêve! Elle s'entraînait jour et nuit. Physiquement et mentalement. Et arriva le jour des résultats. Et maintenant, j'appelle pour venir nous rejoindre sur scène l'illustre Clarissa Bonazzi, la grande gagnante du concours Jeune Astronaute. Elle allait enfin devenir astronaute. Merci. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Et bon voyage dans l'espace. Merci beaucoup. Elle était très contente, mais elle ne voyait toujours pas les couleurs. Eh bien, Clarissa, bienvenue au paradis. Mais je comprends pas. Pourquoi je vois toujours en noir et blanc? Ce sera comme ça toute ma vie. Non, c'est parce que regarde, tu n'as pas encore signé ton contrat. Voilà. Merci. Mais ça y est! Oh, merci, monsieur! Mais je t'en prie. Et oui, c'était moi, Clarissa. Et au final, j'ai pu réaliser mon rêve en allant au ciel.